pas. Bien, alors, chers collègues, merci tout d'abord à Marie Martel de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Je vois que vous êtes très nombreux sur Zoom, alors j'en profite pour vous saluer et vous remercier d'être avec nous. C'était d'autant plus généreux de la part de Marie de m'inviter que je soupçonne que bientôt, l'EBSI va être en état d'overdose de Bibliothèque Archives Canada, sûrement à la fin de la présente session, puisque ma collègue Leslie Weir, comme l'a dit Marie, qui dirige BAC depuis septembre 2019, est intervenue ici le 13 octobre, et que mon ami Normand Charbonneau, qui était bibliothécaire archiviste du Canada adjoint jusqu'à sa retraite récente en juillet dernier, va prendre la parole ici même, dans le cours de Sabine, dans deux jours. Malgré cette surabondance de présence fédérale, j'ai quand même accepté l'invitation de Marie avec plaisir parce que je profite toujours de l'occasion qui m'est offerte pour rappeler aux étudiants de l'EBSI qu'il y a des postes très intéressants qui s'offrent à eux à BAC, Bibliothèque Archives Canada, dans la région de la capitale nationale. Le siège social de BAC est situé à Gatineau, de sorte que le déménagement ne suppose même pas un changement de province, au cas où la perspective de payer moins cher pour votre vin ou pour votre essence en vivant en Ontario ne vous fasse peur. Merci de m'avoir invité à partager avec vous ce que je retiens des 5 années passées à la Bibliothèque Archives nationales du Québec, des 5 années passées à la Bibliothèque et Archives Canada, et de mon travail des 2 dernières années à titre de conseiller de la Bibliothèque nationale de Singapour. J'ai pris Singapour. Alors, j'ai pris ma retraite de BAC le 31 juillet 2019, il y a un peu plus de 2 ans. C'est dire que j'ai eu la chance, et je mesure bien mes mots, de ne pas avoir à gérer une institution majeure pendant la pandémie. Ceux qui ont réussi à le faire, que ce soit à BANQ, à BAC ou à Singapour, ont toute mon admiration. Sincèrement, je ne suis pas certain que j'aurais réussi à adapter mon style de gestion pour diriger efficacement une équipe de 1000 employés comme celle de BAC par Zoom et Teams. Je mentionne la pandémie pour contextualiser mon témoignage de ce midi. La COVID-19 a complètement bouleversé le fonctionnement de toutes les institutions culturelles et ce que je vais dire sur la fréquentation des bibliothèques, des services d'archives et des musées pourrait bien s'avérer complètement caduque lorsque la nouvelle normalité se sera installée. La question qui m'a été posée le plus souvent au cours des 12 dernières années est évidemment celle de l'opportunité de fusionner Bibliothèque nationale et Archives nationales. Comme je le disais d'entrée de jeu, j'ai eu le privilège de diriger 2 institutions nées de fusion, BAC, qui a fusionné en 2004, et BANQ, qui a fusionné en 2006. Et j'ai aussi agi comme conseiller auprès d'une autre institution fusionnée, la Bibliothèque nationale de Singapour, qui a fait ça en 2012. La question de l'opportunité s'est surtout posée de façon explicite au cours de mon mandat à Bibliothèque et Archives Canada de 2014 à 2019. Probablement parce que les mandarins d'Ottawa ont voulu aller plus vite que leur vis-à-vis du Québec, comme nous le verrons tout à l'heure, la fusion fit davantage de remous à l'échelle canadienne que dans notre province. Je suis entré en fonction à Bibliothèque Archives Canada le 23 juin 2014 et dès le mois de novembre de la même année, un coup de canon retentit dans la communauté documentaire canadienne. La Société royale du Canada publia alors le rapport d'un groupe d'experts formé de la crème des bibliothécaires et des archivistes canadiens. Le rapport de la Société royale s'intitulait « L'avenir au présent » et il avait pour sous-titre « Les bibliothèques, les centres d'archives et la mémoire collective au Canada ». Dire que le rapport était critique de BAC relève de l'euphémisme. Le chapitre portant sur BAC s'amorçait en rappelant que lors des consultations menées par le groupe de travail, les témoignages au sujet de BAC avaient eu un ton peu flatteur. Et, je continue à citer, « les relations internationales qu'entretient BAC étaient fréquemment décrites comme un embarras national. » Cerise sur le gâteau, le groupe d'experts remettait même en cause la fusion de 2004. La recommandation 4 du rapport
de la Société royale demandait que Bach rassemble une équipe composée de membres clés des communautés, des bibliothèques, des centres d'archives et d'autres institutions afin de mesurer, sur une période de 2 ans, les progrès effectués dans l'harmonisation des cultures à Bach. À la fin de ces 2 années, l'équipe soumettra un rapport évaluant la pertinence de conserver la fusion de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales. C'est dire à quel point la survie même de l'institution dont je doutais ne tenait qu'à un fil. Pourtant, les 5 années que j'avais passées précédemment à BANQ m'avaient convaincu du bien fondé de la réunion des archivistes et des bibliothécaires, et j'entrepris de faire de la fusion un exemple phare des réalisations de Bach. La fusion de 2014 était née de la prise de conscience que le web avait changé la façon dont le monde utilisait l'information et définissait la connaissance. Grâce à l'essor de la technologie numérique, on a assisté à une formidable démocratisation du savoir et, à son tour, cette évolution a créé la nécessité pour nos institutions d'accroître considérablement la découvrabilité de leurs collections. Auparavant, les archives nationales et les bibliothèques nationales n'étaient fréquentées que par des étudiants des cycles supérieurs, des professeurs, des chercheurs et quelques journalistes zélés. Ce public restreint connaissait les distinctions byzantines que nous, les professionnels de l'information, faisons entre les ouvrages publiés et les archives. Et ça faisait partie de leur formation de savoir où trouver les documents. Par exemple, ils savaient où trouver les archives des artistes, qui bien sûr ne sont pas dans les services d'archives, mais dans les bibliothèques nationales. Et ils savaient aussi trouver des documents audiovisuels qui, pour leur part, se trouvent un peu partout. Mais le grand public, lui, ne le savait pas. Et c'était dorénavant à nous, professionnels de l'information, de rendre nos documents facilement accessibles. Car grâce au web, toute la population, non seulement de notre pays, mais du monde entier, veut avoir accès à tous nos documents, sans limite, un appétit de connaissance que nous avons du mal à satisfaire. La solution de rapprocher et de fusionner les sources d'information s'imposait donc aussi bien conceptuellement que matériellement. D'ailleurs, depuis 2004, plusieurs pays ont aussi essayé de fusionner leur bibliothèque nationale et leur service d'archives nationales, malheureusement, sans connaître le succès. Je ne mentionne que les Pays-Bas, la Belgique et la Nouvelle-Zélande, pour ne nommer que les exemples qui sont publics. Il y en a eu beaucoup d'autres. Du côté des succès, outre BANQ et Bach, on peut mentionner bien sûr Singapour, qui a réalisé sa fusion, du moins sur papier, en 2012. Bien sûr, la mise en commun de traditions intellectuelles aussi diverses que celles de la bibliothéconomie et de l'archivistique ne se fait pas sans douleur et sans ajustement mineur, voire majeur. Dans ce contexte, la question du rythme de l'intégration est centrale. Il est intéressant de constater que les 2 institutions que j'ai eu le privilège de diriger ont géré leur fusion de manière presque diamétralement opposée en ce qui concerne le rythme d'intégration. Bibliothèque et Archives Canada a été la première institution occidentale créée à partir du mariage d'une bibliothèque nationale et d'un service d'archives nationales. Seul l'Iran, avant le Canada, avait connu la fusion de sa Bibliothèque nationale et de ses Archives nationales en 2002 et disons poliment que nos contextes étaient un petit peu différents. Et donc, Bach n'avait aucun modèle à suivre, aucune pratique exemplaire, best practices, dont s'inspirer, et par conséquent, Bach a dû faire son chemin par essai et erreur. Et au nombre des erreurs, il faut reconnaître que le balancier a été poussé trop loin, en croyant que les archivistes et les bibliothécaires, de formation pourraient en quelque sorte devenir interchangeables. Bach a assez rapidement compris qu'il n'était ni populaire ni efficace de s'attendre à ce que les professionnels des bibliothèques ou des archives renoncent à leur identité individuelle. Ils pouvaient travailler ensemble, certes, mais d'une manière qui respectait leurs forces respectives et qui renforçait l'organisation dans son ensemble. Bach est donc revenu sur ses pas au cours de mon mandat et les expertises professionnelles des uns et des autres ont été respectées dans le fonctionnement quotidien des acquisitions et du traitement. À
Sivak est allé trop vite dans l'affaire, on ne peut sûrement pas faire le même reproche à PAMQ. Alors que Bibliothèque Archives Canada a choisi la voie de la fusion, intégrant ses principales fonctions, acquisition, conservation et accès, BANQ a choisi la voie de la convergence ou de l'harmonisation, fusionnant les services de ressources humaines, de communication et de technologies de l'information qui étaient présentes dans les institutions précédentes, mais conservant ses activités principales dans trois directions distinctes. La Bibliothèque publique, la Bibliothèque nationale et les archives. La convergence n'était pas celle des spécialités, mais plutôt celle du contenu des collections, des meilleures pratiques et des services aux usagers. La devise informelle était une institution, trois missions, 12 édifices. Durant mon mandat à BANQ, j'ai tenté de décloisonner nos grands services qui, à mon avis, travaillaient trop en silo depuis la fusion. Comme vous le savez, les archives nationales sont distribuées dans 10 établissements répartis dans toute la province, alors que la Grande Bibliothèque et la Bibliothèque nationale sont situées à Montréal. J'ai donc incité les centres régionaux des archives nationales à élargir leur champ d'action pour en faire des centres à part entière de toute l'institution, offrant un large éventail de services, y compris ceux de la Bibliothèque nationale. Par exemple, j'imaginais que les usagers des centres régionaux puissent avoir accès au matériel patrimonial publié concernant leur région, soit par le thème, soit par la localisation de l'éditeur. Les éditeurs auraient également pu faire leur dépôt légal dans ces centres régionaux plutôt qu'à l'emplacement central de Montréal. Dans ma vision, les centres régionaux devenaient aussi un élément central de la politique culturelle de BANQ, en ce sens qu'ils donnaient aux citoyens de leur région l'accès à une variété d'activités culturelles, notamment des expositions itinérantes mettant en valeur les collections de PAMQ. De plus, des ateliers, des conférences et des séminaires étaient organisés à l'extérieur de Montréal grâce au partenariat que PAMQ avait conclu avec les universités implantées en région. Comme on peut facilement l'imaginer, ces innovations n'ont pas été sans rencontrer quelques réticences de part et d'autre des frontières disciplinaires. De plus, elles n'ont pas eu le temps d'être pleinement mises en œuvre avant d'être stoppées par les séries successives de coupures budgétaires qui ont frappé BANQ au cours des 10 dernières années. Le retour du balancier a même été complet au cours des dernières années, puisque les directions correspondant aux trois institutions composant BANQ, la Bibliothèque publique, la Bibliothèque nationale et les Archives nationales, ont repris leur nom d'avant la fusion. On a maintenant la Direction générale de la Grande Bibliothèque, la Direction générale de la Bibliothèque nationale et la Direction générale des Archives nationales. Bien sûr, la timidité de l'intégration a fait en sorte que BANQ n'a pas connu l'agitation qu'a provoqué la marche rapide de BAC vers la fusion. En revanche, les utilisateurs de BANQ n'ont pas eu droit à tous les avantages que présente un accès unifié aux données et aux documents. Et ces employés n'ont pas profité autant qu'ils l'auraient pu de l'enrichissement intellectuel qui découle de la fertilisation croisée des disciplines de la bibliothéconomie et de l'archivistique. Pour sa part, Singapour a été encore plus prudente dans la voie de l'intégration. La preuve la plus flagrante en est que presque 10 ans après la fusion de 2012, le nom de l'institution n'a toujours pas changé. Elle se nomme encore le National Library Board, sans mention des archives dans sa désignation officielle. La fusion y a donc été abordée très progressivement. Les services au public, la Bibliothèque nationale et les archives nationales sont assurés par des directions différentes. Les services des archives nationales sont assurés dans un édifice distinct et elles ont toujours leur propre logo et leur propre site web. Les trois piliers, archives, bibliothèques nationales et réseaux de bibliothèques publiques, ont leur propre présence sur les médias sociaux. Par exemple, chacun a sa propre page Facebook. La Bibliothèque nationale et les archives nationales collectionnent toutes les deux les archives privées et elles ont chacune leur propre programme de reconnaissance de leurs donateurs. La direction actuelle de la NLB veut évidemment bouger
vers une plus grande intégration, sinon il ne m'aurait pas demandé de conseiller. Alors donc, en janvier 2021, elle s'est dotée d'une nouvelle structure organisationnelle qui a pour objectif explicite, je cite, de briser les silos et de réaliser des synergies entre les bibliothèques publiques, la Bibliothèque nationale et les archives nationales. Fort heureusement, la réforme engagée à Singapour ne prévoit pas l'unification des fonctions d'acquisition et de traitement des collections de la Bibliothèque nationale et de celle des archives nationales. Ce faisant, la NMB évite la principale erreur commise par Bibliothèque Archives Canada à la suite de sa fusion. Si la question de la fusion de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales a occupé beaucoup de mon temps à BANQ et à BAC, il y a aussi une autre question de structure qui m'a beaucoup interpellé au cours des 12 dernières années, et c'est celle de la distinction entre Bibliothèque publique et Bibliothèque nationale. Comme je l'ai déjà mentionné jadis au siècle dernier, les bibliothèques et les Archives nationales n'étaient fréquentées que par des étudiants des cycles supérieurs, des professeurs et des chercheurs. Ce fut certainement mon expérience personnelle à la Bibliothèque nationale de France lorsque je la fréquentais il y a de ça 50 ans. L'accès aux 320 places de la salle Labrouste était réservé aux professeurs et à des étudiants du troisième cycle, pas tous, triés sur le volet. Il fallait se présenter avant l'heure d'ouverture, rue de Richelieu, faire la queue pour réussir à obtenir une des places fort convoitées au moment de l'ouverture des portes de la BN. Comme vous le savez, dans le monde francophone, un moment déterminant dans la conception du rôle des bibliothèques nationales est survenu le 14 juillet 1988. C'est pour ça, d'ailleurs, que chaque année, on célèbre le 14 juillet. C'est bien connu. À ce moment-là, le président Mitterrand, qui donnait son entrevue annuelle aux médias, annonça son intention de créer une bibliothèque d'un genre entièrement nouveau, ouverte vers tous les publics et renfermant tous les types de support. Depuis lors, les distinctions traditionnelles entre bibliothèque nationale et bibliothèque publique tendent à s'estomper. Et l'on assiste à des phénomènes de fréquentation sans précédent, comme ceux que connaissent aujourd'hui la British Library, qui reçoit plus que 1,5 million de visiteurs par année, quand il n'y a pas de pandémie, et la BNF, qui, elle, reçoit plus de 1,3 million de visiteurs chaque année. Sous ma direction, Bibliothèque Archives Canada s'est inscrite de plein pied dans ce mouvement en se rapprochant non seulement intellectuellement, mais aussi physiquement des bibliothèques publiques. C'est ainsi qu'en novembre 2017, nous avons déménagé nos bureaux de Vancouver, qui étaient autrefois situés dans un parc technologique de la lointaine banlieue, vers la Bibliothèque centrale de la métropole de la Côte-du-Pacifique, qui, comme son nom l'indique, la centrale, est situé en plein centre de la ville. De même, en juin 2017, nous avions déménagé nos bureaux de Nouvelle-Écosse, qui étaient situés dans un parc technologique anonyme de Dartmouth, vers le Musée canadien d'immigration du Quai 21, qui est situé dans une zone très animée du port d'Halifax. Ces rapprochements de nos publics s'avérèrent être de vrais succès, non seulement en matière de fréquentation, mais aussi d'ouverture de nos employés à l'égard de leurs nouveaux collègues et de leurs nouveaux clients. Et en guise d'ouverture des frontières, quoi de plus symbolique que notre projet de relocalisation de nos services au public dans un nouvel édifice qui sera partagé avec la Bibliothèque publique d'Ottawa dès 2026. L'édifice portera le nom d'Abisoké, un mot qui désigne l'art du récit en langue Anishinaabe. De cette façon, les deux institutions fondatrices rendent hommage à la première nation Kitiganzibi, Anishinaabeg, qui habitait le territoire traditionnel sur lequel l'édifice sera construit. D'ailleurs, je suis particulièrement fier de la collaboration qui s'est développée avec les Premières Nations au cours du processus de consultation qui a entouré la conception du nouvel édifice. Non seulement PAC, mais aussi notre partenaire, la Ville d'Ottawa, considère que le projet de nouvelle bibliothèque représente une partie intégrante de leurs efforts de réconciliation. J'ai été ravi de lire récemment les propos de la directrice de l'éducation de la Première Nation, Kitiganzibi, Mme Anita Tenasco, et je la cite.
Nous avons vraiment besoin de ce projet en ce moment. Je parle de projet de la bibliothèque. L'établissement a le potentiel de devenir un second chez soi, pour notre communauté, en raison de la forte influence autochtone sur la programmation prévue. La consultation à laquelle fait référence Mme Tenasco a été au centre de la conception de l'édifice. En effet, l'édifice a été conçu en vertu d'un modèle qu'on appelle « design, build, build », c'est-à-dire conception, soumission, construction. C'est un modèle qui consiste à ne pas choisir une firme d'architecte sur la foi d'un projet, d'un plan, mais plutôt d'un dossier de réalisation. Et lorsque cette firme est retenue, son rôle est de consulter les usagers avant de commettre le plan, avant d'élaborer le projet, de consulter les usagers sur leurs besoins et leurs désirs, et ensuite seulement de développer les plans du nouvel édifice. C'est ainsi qu'une très large consultation des usagers des deux institutions, la Bibliothèque publique d'Ottawa et la Bibliothèque Archives Canada, a été menée pendant plus qu'une année. Le modèle Design Bid Build avait été utilisé pour construire la nouvelle bibliothèque publique de la ville de Halifax, ouverte en décembre 2014. Et outre les nombreux prix d'architecture qui lui ont été accordés depuis, la preuve du modèle réside dans le succès de la bibliothèque. Alors que les prévisions optimistes estimaient une fréquentation de 900 000 personnes par année, c'est 1,9 million de visiteurs, soit près du double, se sont présentés au cours de la première année d'opération. Alors, pour vous situer ça, 1,9 million, actuellement, avant la pandémie, la grande bibliothèque, qui est très fréquentée, était un peu au-dessus de 2 millions. Halifax, 1,9 million, mais pour une population de 600 000. Alors qu'ici, on parle d'une région d'à peu près 3 millions de personnes. Alors, vous voyez le succès de cette nouvelle bibliothèque publique d'Halifax. Bien sûr, ce projet-là de relocalisation avec la bibliothèque publique de Ottawa pour les usagers de la grande bibliothèque de Montréal n'apparaît pas aussi révolutionnaire qu'elle apparaît à Ottawa, puisque localiser ensemble une bibliothèque nationale et une bibliothèque publique, ça s'est fait dès l'ouverture de la grande bibliothèque à Montréal. De même, la Bibliothèque nationale de Singapour occupe, elle aussi, quelques étages de la Bibliothèque centrale de la cité-État de Singapour. La principale différence dans Adisoké sera la présence des archives nationales dans le même édifice, ce que ni Montréal ni Singapour n'offrent encore. Si j'ai raison de penser, comme je viens de l'évoquer, qu'au tournant du siècle présent, on a assisté à un premier mouvement venant brouiller les frontières entre bibliothèque nationale et bibliothèque publique. Je crois que depuis quelques années, on assiste à un nouveau déplacement des plaques tectoniques qui prend racine dans la redéfinition de notre relation avec nos usagers. Il me semble que sous la pression des modèles de services développés par Amazon, Google et surtout Wikipédia, nos usagers sont maintenant appelés à transcrire, traduire, étiqueter et décrire nos documents. Nos usagers sont dorénavant davantage des partenaires que des clients, plutôt des membres d'équipage que des passagers, pour reprendre la phrase célèbre de Marshall McLuhan que j'ai utilisée comme titre de ma conférence. Sur la Terre, il n'y a pas de passagers, nous sommes tous des membres d'équipage. Je sais que cette nouvelle donne crée une zone d'inconfort pour plusieurs de nos collègues spécialistes de l'information. Je comprends que les bibliothécaires et les archivistes s'inquiètent de voir les gros et folloïs, les non-instruits, la grande masse populaire procéder à des opérations qui étaient jadis leur seul privilège. Toutefois, je crois que l'expérience de Wikipédia et de sa fiabilité démontre la capacité de nos publics de s'auto-réguler et de s'auto-corriger. Pour illustrer le changement de paradigme amené par la responsabilisation de nos usagers, je veux commencer par l'exemple du NumériLab de Bibliothèque Archives Canada, une initiative résolument axée sur le client qui a vu le jour en mars 2017. Grâce au NumériLab, nous avons pu tisser des liens avec nos usagers et changer complètement la façon traditionnelle d'utiliser nos collections, car ce sont les clients eux-mêmes qui établissent leurs priorités en matière de numérisation.
Ils choisissent les documents de la collection qu'ils veulent avoir en format numérique. Et, à condition que ces documents ne soient pas protégés par le droit d'auteur, ils procèdent eux-mêmes à leur numérisation à l'aide d'appareils de pointe. Ces appareils leur sont fournis gratuitement, en échange de quoi nos usagers acceptent de partager le fruit de leur travail avec toute la communauté, en laissant BAC faire des copies web des documents qu'ils ont numérisés. Au cours de sa première année d'existence, le NumériLab a accueilli 30 projets, dans le cadre desquels 50 262 pages de documents textuels et 10 038 images ont été numérisées et mises à la disposition du public. Nos clients, par exemple, numérisaient des bulletins météo sur la pluie, le tonnerre et les éclairs Ottawa au 19e siècle, ce qui alimente les recherches sur les changements climatiques. Ils ont aussi numérisé des archives de camps d'internement pour les Canadiens d'origine japonaise pendant la Deuxième Guerre. Des images fascinantes d'Ottawa dans les années 20 et 30. Pour la première fois, les 110 albums photographiques connus sous le nom de la série Army Numericals sont maintenant disponibles en ligne. C'est une série d'albums qui se compose de planches. Vous voyez le tour de la photo. Là. C'est des planches contact ont été imprimés à partir des négatifs noirs et blancs originaux. Photographie de l'armée canadienne prise pendant la Seconde Guerre mondiale. J'adore cette photo, on voit la dame, malheureusement je ne peux pas vous dire si c'est en France, en Hollande ou en Belgique, qui dans les ruines d'une maison essaie de récupérer quelques morceaux de bois qu'elle met dans une brouette. Ça parle de la guerre de façon extraordinaire. Et ces quelques exemples-là sont une partie infime des documents exceptionnels qui ont été rendus accessibles grâce au NumériLab. Sur la foi du succès remporté par le NumériLab dans nos propres locaux à Ottawa, BAC a décidé d'offrir le même service dans les bureaux de Winnipeg et de Vancouver, lesquels recèlent, comme vous pouvez le deviner, des documents particulièrement riches pour retracer l'histoire des Premières Nations. Un autre exemple du rôle actif des usagers est le CoLab, une initiative lancée il y a 2 ans à peine. Nous avions commencé nos tentatives de crowdsourcing, d'externalisation ouverte, il y a quelques années, en 2016. En juin 2016, la Fédération des Métis du Manitoba a célébré les 200 ans de la bataille de la Grenouillère, un conflit qui a mené à l'émergence de nations métisses. Pour contribuer à la commémoration, BAC a invité le public à transcrire le rapport Coltman, un rapport qui avait été rédigé à la main, comme on le voit, en 1818 par William Coltman, un éminent avocat de l'époque. C'est un document qui demeure jusqu'à ce jour l'une des meilleures sources d'informations sur la guerre du commerce des fourrures et un témoignage clé de l'histoire de la nation métisse. L'ensemble du rapport manuscrit qui compte 534 pages a été transcrit par le public en moins d'un mois. Le projet pilote a été un tel succès que nous avons ensuite invité le public à transcrire un autre document, le journal de Lady MacDonald, l'épouse du premier ministre canadien, John MacDonald, et il n'a fallu que 25 jours pour que le journal soit transcrit au complet. Sur la foi de ces succès, nous avons lancé en avril 2019, le CoLab. C'est un outil convivial qui permet au grand public de transcrire et étiqueter, traduire et décrire des dossiers et manuscrits numérisés qui proviennent de la collection de BAC. Nous avons mis en ligne à ce jour 21 défis depuis le lancement de la plateforme en 2018 et au tout début, en moins d'un mois, la correspondance d'un des anciens premiers ministres, Robert Borden, avec son ministre de la Défense a été complètement traitée. Aussi des lettres d'amour du premier ministre Wilfrid Berger, c'est un bon vendeur. Des lettres d'amour à sa fiancée ont été aussi complètement transcrites rapidement. Nos défis portent en particulier sur les collections de BAC qui témoignent de l'œuvre de femmes, d'autochtones et de groupes minoritaires. Outre les documents qui appartiennent aux 21 défis, les usagers peuvent choisir eux-mêmes n'importe quel document de la collection et le rendre accessible pour des contributions participatives ou du crowdsourcing. Pour illustrer un autre volet du renouvellement de notre relation avec les clientèles, je veux citer mon confrère Alberto Manguel,
qui était jusqu'à l'été 2018 directeur de la Bibliothèque nationale d'Argentine. Dans son dernier livre intitulé « Je remballe ma bibliothèque », qui est paru en octobre 2021, Alberto écrit « Une bibliothèque nationale peut, je crois, être une sorte d'atelier de création et un endroit où sont conservés les documents où les futurs lecteurs pourront trouver des idées afin d'imaginer des mondes meilleurs. Atelier de création et endroit de conservation. Voilà bien les deux pôles du mandat d'une institution de mémoire. Le rôle de nos établissements dans ce que l'on nomme l'écosystème créatif ne saurait en effet se réduire aux seules fonctions d'acquisition et de conservation. Nos institutions sont aussi présentes au début de la chaîne de création, en tant que source d'inspiration et même de réservoir de matériaux pour les artistes de toutes les disciplines. Non seulement les auteurs et les poètes, mais aussi les vidéastes, les musiciens, les peintres, les metteurs en scène et les créateurs de jeux vidéo. Quand nous avons à démontrer notre valeur sur la place publique et à justifier les retombées des investissements que nous recevons, cet aspect de notre présence dans le monde des industries culturelles n'est pas à négliger. Sur ce thème de la valeur des bibliothèques, permettez-moi de terminer en partageant avec vous une initiative que j'ai menée au cours des trois dernières années de mon mandat à BAC, avec la collaboration des principaux joueurs du monde des institutions de mémoire du Canada. Les institutions de mémoire forment ce qu'on appelle le secteur des GAM, d'après l'acronyme des noms anglais désignant les galeries, les bibliothèques, les archives et les musées. Le concept évoque aussi, bien sûr, le glamour, l'élégance, le chic et le charme, ce qui rend le terme attractif. La raison pour laquelle j'ai voulu faire travailler le secteur des GAM canadiens de concert est qu'à l'époque, ces institutions n'étaient pas invitées à participer au dialogue sur l'avenir de la culture à l'ère du numérique, ni dans notre pays, ni dans le reste du monde. J'estimais qu'en tant que communauté, nous avions le devoir de faire savoir, à la fois au pouvoir établi et au grand public, l'importance du rôle que jouent les institutions de mémoire à l'ère du numérique. C'est pourquoi j'ai sollicité l'aide de l'Association des musées canadiens et de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Ensemble, nous avons convié nos membres et nos amis à un sommet sur la valeur des GAM qui s'est tenu à Ottawa dans une froide journée de décembre 2016. Le sommet a attiré près de 300 personnes et une trentaine de conférenciers. Nous leur avions lancé des pistes de réflexion exigeantes. Par exemple, pourquoi construire de nouvelles bibliothèques alors qu'Internet permet d'accéder à l'information en tout temps et en tout lieu? Pourquoi dépenser pour construire des édifices muséaux alors que les musées virtuels donnent accès à la culture et à l'histoire, où que l'on soit sur la planète? À quoi bon visiter les services d'archives? Leur site Web offre tout ce qu'il nous faut, sans compter la contribution de sites commerciaux comme Ancestry et Find My Past. Ces questions brutales peuvent vous sembler ridicules, à vous, spécialistes de l'information, mais je vous assure qu'elles sont soulevées quotidiennement, en dépit du fait que les musées, les bibliothèques et les services d'archives attirent plus de visiteurs que jamais. Les principales conclusions de notre première rencontre sont les suivantes. Tout d'abord, j'aime beaucoup celle-là, ce n'est pas une surprise, la technologie n'est pas notre ennemi. Nous avons eu droit à de nombreux exemples concrets d'innovation réussie dans la communauté GAM, en grande partie grâce à la technologie. Les technologies, téléphones intelligents, applications mobiles, séquenceurs musicaux, réalité virtuelle, imprimantes 3D, sont à la fois porteuses de défis et d'occasions de développement. Du côté des défis, d'une part, bien sûr, l'obtention des ressources financières nécessaires à l'acquisition de ces technologies, et d'autre part, encore un plus grand défi, à la découverte des ressources humaines capables d'imaginer le fonctionnement optimal de ces nouvelles technologies. Du côté des occasions de développement, la formidable démocratisation du savoir et de la culture qui résulte de la présence des GAM dans les foyers des citoyens grâce au numérique, et l'accroissement de fréquentation de leurs espaces que provoque la fréquentation virtuelle. En effet, c'est un paradoxe bien documenté. Plus la consultation des données sur le web s'accroît,
plus l'appétit pour la présence dans les salles de lecture et d'exposition s'accroît, elle aussi. Parce que la fréquentation virtuelle des œuvres et des artefacts ne suscite pas la même expérience que la présence physique. À preuve, les millions de personnes qui se précipitent chaque année devant la Joconde, alors qu'il suffit de deux clics pour la faire apparaître instantanément sur le téléphone intelligent. Évidemment, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, il reste à voir si cette conclusion va résister au choc du réel lorsque nous serons revenus à la nouvelle réalité post-COVID. Deuxième conclusion à laquelle nous sommes arrivés, les nouveaux rôles joués par les institutions de mémoire. Et j'en nomme quelques-uns pour que vous ayez ça à l'esprit. L'accueil des nouveaux arrivants, l'accès à la haute vitesse pour les personnes défavorisées, la disponibilité de technologies avancées pour les artistes et les créateurs, l'initiation à la littératie financière, les initiatives en santé mentale et des ouvertures multiples au monde culturel. Toutes ces initiatives, les GLAM, les musées, les bibliothèques, les archives, sont méconnues de nos élites politiques, économiques et médiatiques. Ces élites fréquentent très peu les institutions de mémoire parce que leur statut économique favorise d'autres habitudes de consommation culturelle dans lesquelles les bibliothèques, c'est classe, c'est l'achat plutôt que l'emprunt. Et donc, et la présence aux prestations gratuites dans les bibliothèques n'est pas non plus une priorité pour nos élites. Troisième grande conclusion à laquelle nous sommes arrivés, la position, j'ai fait allusion, des institutions de mémoire dans l'écosystème de la création qui n'est pas réductible à leur seule fonction d'ingestion et de conservation des œuvres. Je vais donner des exemples ici de présence des GLAM au début de la chaîne créatrice pour fournir de l'inspiration et du matériel aux artistes de toutes disciplines. Je ne vais pas parler de chacun des exemples qui sont là, mais ce sont des œuvres inspirées d'objets ou de textes trouvés en bibliothèque ou en musée ou dans des services d'archives. Au-delà du partage de connaissances, le sommet d'Ottawa a aussi agi comme révélateur de l'unité véritable des institutions de mémoire. Elles, dont la tendance avait été jusque-lors à l'exploration de leur singularité plutôt qu'à la recherche de dénominateurs communs. Dans le terreau de la pratique, les distinctions taxonomiques s'estompent depuis nombre d'années. Les fusions qui ont mené à la création des deux grandes institutions documentaires, que sont BANQ et BAC, viennent spontanément à l'esprit. Mais elles ne sont que la pointe d'un iceberg constitué par la présence d'archives et même de bibliothèques dans tous les grands musées. Je pense au Art Gallery of Ontario à Toronto, à sa nouvelle bibliothèque qui sert aussi de porte d'entrée à l'édifice et à sa riche collection archivistique. Je pense aussi au Centre Pompidou, dont la Bibliothèque publique d'information est la bibliothèque la plus fréquentée de France. Fort de cette conviction, les participants au sommet de décembre 2016 ont adopté la Déclaration d'Ottawa, par laquelle ils s'engageaient à accroître la collaboration entre eux, accentuer les occasions de participation populaire à leurs activités et à élargir l'accès à leurs collections afin de contribuer au bien-être commun. Au sortir du sommet d'Ottawa, nous savions qu'il fallait poursuivre sur notre lancée. Nous avons créé un groupe de travail pour explorer et étudier les façons dont les GLAM créent de la valeur pour la société canadienne et elles contribuent activement. Nous avons contribué activement à repérer des occasions de partenariat. Le 30 janvier 2018, nous avons tenu un deuxième sommet sur les GLAM, cette fois au Musée royal de l'Ontario à Toronto. Ce sommet intitulé « À nous l'avenir » a attiré encore une fois environ 300 personnes par une autre journée froide d'hiver canadien. La grande conclusion qui s'est dégagée de ce deuxième sommet était l'urgence pour les institutions de mémoire de se doter d'une trame narrative démontrant la valeur et l'ampleur des avantages qu'elles apportent sur les plans culturels, social et économiques. Cette idée de trame narrative, les gens y tenaient beaucoup et dans le fond, ce que ça disait, c'est que l'on rencontre quelqu'un de Terre-Neuve à Colombie-Britannique ou du Yukon au Québec, qu'on ait collectivement, sans apprendre par cœur la formule, qu'on ait collectivement quelque chose à dire quand on nous demande à quoi ça sert, à quoi vous servez, quelle est votre pertinence, quelle est votre utilité,
qu'on se donne quelque chose comme une trame narrative qui fasse que la réponse que les décideurs entendraient serait la même, pas dans nos tableaux, mais dans l'esprit, à l'échelle de tout le Canada. Donc, c'était une trame narrative qui devait montrer l'importance et la pertinence des GLAM, ainsi que l'avantage, les avantages qu'ils peuvent offrir aux partenaires des secteurs privés, publics et sans but lucratif. Nous avons tenu un troisième et dernier sommet à Montréal, le 13 mai 2019, à la Grande Bibliothèque. Nous avons reçu les premières conclusions de l'étude sur la valeur du secteur des GLAM que nous avions confié à la firme Oxford Economics, la même firme qui avait fait une étude sur la valeur économique de la British Library, qui avait été très remarquée. C'est quelque chose qui était peut-être 2013. Et nous avons bien sûr discuté de la première itération de notre trame narrative. Alors, sous le thème « Dans un monde en rapide mutation, les GLAM sont essentiels », la trame narrative a été élaborée à partir de quatre déclarations fortes. Un, quand les gens ont besoin d'informations crédibles et fiables, c'est vers nos institutions qu'ils se tournent. Dans tous les sondages, les bibliothèques, les services d'archives et les musées sont toujours considérés les plus fiables des institutions publiques, au-delà des journaux, au-delà bien sûr des politiques. Et donc, pour nous, c'était un premier ancrage. Deuxièmement, grâce aux bibliothèques, aux services d'archives et aux musées, les gens se réunissent pour tisser des liens, vivre des expériences et écrire leurs histoires. À l'ère numérique, les GLAM sont des espaces physiques et virtuels, inclusifs, où les gens établissent des rapports entre eux et se comprennent mutuellement. Troisième élément, nos institutions aident le Canada à prospérer et à innover. Nos institutions sont des moteurs économiques qui propulsent l'ingéniosité et la créativité des collectivités. Elles inspirent les entrepreneurs et les artistes et stimulent l'innovation et la créativité sous toutes leurs formes. Et finalement, quatrième élément, notre secteur est bénéfique pour les gens et les collectivités. Les GLAM enrichissent nos vies, jouent un rôle fondateur dans la croissance et l'épanouissement personnel et communautaire. Ils favorisent la conscience émotionnelle, la compassion, la résilience et l'ouverture d'esprit. Quant à l'étude sur la valeur des GLAM au Canada, qui était notre deuxième cheval de bataille, a été publiée en décembre 2019 par Oxford Economics. C'est un rapport qui vise à saisir le rôle que jouent les GLAM en utilisant une combinaison de mesures quantitatives et qualitatives. Je vais vous en faire l'épargne, je ne vais pas vous donner tous les critères et surtout pas essayer de vous les expliquer. Le document est sur le web, sous un onglet de Bibliothèque Archives Canada. Vous pourrez consulter les conclusions de l'étude. Ces conclusions sont basées sur les données qui étaient déjà disponibles, mais aussi une enquête nationale menée auprès de 2045 Canadiens. Ils ont étudié un ensemble de techniques économiques et leur objectif était de refléter la diversité des activités du secteur des GLAM, parce que c'était une première mondiale. On avait des études sur la valeur économique des bibliothèques, notamment la British Library, oui. Ça avait été fait aussi par Toronto, Ottawa et d'autres. On avait des études sur la valeur des musées. Je n'en connaissais pas sur la valeur des archives, mais sur la valeur du secteur des GLAM en son ensemble, il n'y en avait pas. On s'en est au Canada, mais il n'y avait pas à l'échelle de la planète. Donc, Oxford Economics a dû innover dans ce domaine-là. Et il voulait donc refléter l'ensemble de la diversité. L'étude a estimé que 150 millions de visites sont effectuées chaque année dans les bibliothèques, les services d'archives et les musées canadiens. Et ils ont aussi tenu en compte les visites en ligne, site web, catalogue, Facebook, Twitter, Instagram. Et ils ont aussi singularisé la valeur éducative des GLAM et, encore plus innovant, l'effet de mieux-être provoqué par l'utilisation des bibliothèques, des services d'archives et des musées. Là, on était vraiment dans l'innovation complète. Le modèle utilisé par Oxford Economics suggère que la valeur au titre du bien-être pour un utilisateur canadien de la fréquentation des GLAM équivaut à recevoir un bonus de 1 440 $.
Et merci de ne pas me demander de vous le démontrer. Encore une fois, toute la démonstration avec des sigma majuscules et des formules est dans le rapport. Mais donc, par sondage et par mesure, vous arrivez à dire que les gens étaient aussi heureux de fréquenter les glands que se recevaient un bonus de 1440. Pour citer l'étude, la visite des glands a le même effet sur le bien-être que l'obtention d'une prime monétaire, donc de 1440 par année. En combinant tous les entrants et les intrants, la valeur brute totale des GLAM pour le Canada est de 11,7 milliards de dollars par année. Ça, c'est du dollar canadien de 2019. Étant donné que leurs dépenses des bibliothèques, des archives et des musées sont de 3 milliards de dollars, la division de 11,7 par les 3 milliards, donne un rapport coût-bénéfice de 3,9. En d'autres termes, simple, pour chaque dollar investi dans les bibliothèques et services d'archives et les musées, la société reçoit en retour près de 4 $. Les auteurs d'études ont ajouté que les GLAM affichent un rendement très favorable par rapport aux grands investissements sociaux, comme les infrastructures de transport. Fort de cette trame narrative et de cette étude sur la valeur, les leaders des GLAM canadiens étaient convaincus que le secteur était mûr et armé pour passer en deuxième vitesse et amorcer sérieusement les activités de communication et de promotion en nous appuyant sur la cohésion dont nous étions dotés au cours des 3 dernières années. Malheureusement, il y a un dicton en yiddish qui dit « Der Mensch tracht und Gott plant ». L'homme planifie et Dieu éclaire de rire. Pas nécessaire d'être croyant pour comprendre que le dicton s'applique à nous dans toute sa rigueur. La pandémie de COVID a stoppé net le mouvement des GLAM. Pour les musées, les bibliothèques et les services d'archives, la question de leur rôle et même de leur survie a pris un tournant radicalement différent de ce que nous avions pu imaginer en mai 2019, alors que nous étions réunis à la grande bibliothèque. Au cours des 2 dernières années, ces institutions se sont réinventées au fil du numérique, du virtuel, et elles ont redéfini leur mission sociale et le rôle qu'elles jouent dans nos sociétés. Comment cela se décantera-t-il lorsque nous serons revenus à la soi-disant normale? Réinvitez-moi dans 2 ans, je donnerai peut-être une petite idée. Merci. Je pense qu'on a un peu de temps, peut-être 5 minutes pour les questions. Une ou deux questions. Est-ce qu'il y a une façon pour nos amis de pouvoir poser des questions? Très bien. Est-ce que tu peux, penses-tu qu'il y a des questions dans la... Ils nous entendent présentement. Il y en a quelques-uns qui applaudissent virtuellement. Okay. Je suis en train de leur écrire, mais ils m'entendent. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les écrire dans le chat, ouvrir votre microphone tout simplement pour prendre la parole. Patricia Forget de Nico. Non, c'est des mains qui applaudissent. C'est un petit chapeau de bonne fête et des acclamations de félicitations plutôt que des questions. Oui, peut-être que je peux t'en poser une à ce stade-ci. Tu as parlé beaucoup de la convergence des institutions documentaires qui était une tendance. En fait, qu'une auteure qui s'appelle De La Peña-Mecco qui avait identifié comme une tendance déjà à partir de 2010. Elle disait qu'il y avait comme une accélération de la convergence des institutions documentaires. Ça a exploré la forme fusion bibliothèque et archives, la forme même bibliothèque nationale, bibliothèque publique, la forme aussi des GLAM en les réunissant aussi. Puis, on peut imaginer aussi, mais là, on est dans un autre rôle, la participation, là, on peut imaginer aussi que ça participe, en fait, de cette redéfinition-là des institutions documentaires. Mais moi, ce que je voudrais peut-être que tu explores avec nous, là, tu as évoqué quelques formes, je voudrais que tu nous dises si tu penses qu'il y a d'autres configurations de réunions d'institutions documentaires qui pourraient être explorées, en dehors de celles que tu as mentionnées ici.
Bien, ce qui est très porteur, sur lequel je suis passé très rapidement, c'est la présence de centres d'archives dans les grands musées. C'est malheureusement très confidentiel. Il y a des trésors, c'est surtout des archives d'artistes, évidemment, mais il y a du personnel extrêmement qualifié, des fonds d'une richesse incroyable, mais très peu d'ouverture vers le public de ces lieux. Alors, à ma connaissance, là, le AGO, le Art Gallery of Ontario, a fait un gros effort en créant une bibliothèque, mais ils tentaient, encore une fois, là, on vient de perdre 2 ans, le momentum commence à avoir parti, j'en sais rien, mais ils tentaient aussi de créer un engouement et un intérêt pour leur fonds d'archives. Parce que dans le fond, dans les trois, parce que nous, en français, la distinction entre museum and gallery, elle n'existe pas. C'est vraiment 3 composantes, musée, bibliothèque et archives. C'est sûr que les services d'archives sont ceux qui sont le moins spontanément fréquentés par le grand public. Si je compare à la bibliothèque publique, ça ne se compare pas. Et même Bibliothèque nationale, les exemples que j'ai donnés du British puis de la BNF, ça ne se retrouve pas à l'échelle des archives. Donc, les archives par elles-mêmes font des efforts considérables pour s'ouvrir, physiquement et surtout virtuellement. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir aussi vers les musées. Aux États-Unis, c'est assez fort. À ma connaissance, je n'ai pas d'exemple au Canada, mais dans les musées des universités, il y a pas mal de travail qui se fait. La Fondation Mellon a mis quelques millions, malheureusement pas accessibles aux Canadiens. On a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Mais la Fondation Mellon a mis quelques millions sur la table pour que le secteur des glam universitaires travaille de façon plus étroite ensemble. Quand on avait fait le sommet, était là à Montréal, on avait invité un gars de l'Université de Floride qui devait m'inviter en retour, mais bon, la COVID, là, c'est chez nous. Et donc, ils ont travaillé beaucoup là-dessus aussi pour que les musées universitaires et les services d'archives de ces musées-là s'ouvrent plus, travaillent davantage avec les bibliothèques et les archives des universités qui souvent sont sous la même direction. Il y a les archives institutionnelles, c'est autre chose, mais les archives historiques ou culturelles dans les bibliothèques universitaires sont souvent sous l'égide de la bibliothèque. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là, mais les musées sont sensibles à ça et ils sont aussi, je dirais intuitivement, mais même si c'est enregistré, je dirais donc contenu, là, mais intuitivement, je dirais que les bibliothèques ont commencé à réfléchir avant les musées sur la décolonisation et tout ça. Et les musées sont très avides de toute la connaissance là-dessus, de toutes les pratiques nouvelles là-dessus. Et il y a une belle occasion de rapprochement aussi entre les bibliothèques et les musées, ne serait-ce que pour les descriptions, etc., où on a commencé à réfléchir il y a longtemps à ça. Et donc, c'est aussi une occasion de travail en commun. Merci. Est-ce que... Oui, on a une question en ligne de Karine McColgan, j'espère que je le prononce bien. Oui, Catherine. Oui, Catherine, oui, qui demande, selon votre avis, qu'est-ce que vous pensez sera le plus grand défi pour la BAC et la BP d'Ottawa quand elles vivront ensemble dans un nouvel édifice? Je parlais pour BAC, Catherine. Pour la bibliothèque publique, je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi. Mais pour BAC, c'est clair, c'est comment notre personnel qui est habitué largement à avoir affaire à un public spécialisé, comment s'ouvrir, comment offrir un service à un plus large public. Comme je l'ai dit, on a vécu l'expérience à Vancouver, on a vécu l'expérience à Halifax, ça se fait, mais il faut y travailler. Et je sais que l'équipe de BAC, y travaille depuis qu'on a annoncé qu'on voulait faire ce projet-là, il y a plus de 2 ans maintenant.
l'équipe de BAC travaille non seulement au déménagement physique, mais aussi à l'organisation des services au public que ça suppose le fait d'être situé dans une bibliothèque publique, comme ça sera le cas. Je n'ai pas l'illusion de penser que toutes les personnes qui rentrent dans la bibliothèque publique vont passer par la Bibliothèque des Archives nationales, pas plus que quand on va à la grande bibliothèque, tout le monde se dirige à la collection nationale, mais il n'empêche, ça va être une réputation plus importante et une façon de rendre le service différent. Et c'est ça le grand défi pour moi, bien au-delà des défis physiques. Alors, merci de la question, Catherine. Il n'y a pas d'autres pour l'instant. Alors, il est déjà midi 50. Je remercie vraiment beaucoup pour ta présence ici. Et puis, peut-être qu'on va se revoir dans 2 ans. Hein? Quand la chair sera tombée sur la pandémie. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vais enlever mon Merci. Il y avait du stock, hein? Oui, bien, je t'appelle dans les temps. Oui, super!